Bon, voilà, bonjour, bonjour. Bonjour les amis, mes amis de Facebook, bonjour, bonjour. Ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez à l'heure actuelle. Il y a Edibolo Mokdefi International, il y a Peuple Mokonzi, Peuple Souverain, Bandeko, Boubendana, Boupoussana, Tosolo Mamouke, Tosaka Namo a dévolé, dévolé Yago. Concernant les pièges à con électoral, il y a bah politicien congolais. Voilà, donc il faut tout aller obligé, il y a quoi alerter, quoi alerter. Quoi alerter, peuple Nabissoko, faut quoi alerter, Bino, Koyebisa Bino, ce qui se passe ou ce qui se passera par la suite. Mais, tout ça, comme on a que le peuple congolais a toujours une difficulté à comprendre les enjeux politiques. Voilà, donc, il y a mon lot, la limite, tout cela, sur moi, moqué. Pendant 30 minutes, oyo et puis ça m'a mis sur le lot. Donc, je vais vous dire, bon, belémé, bon, poussana, bon, koto. Et ce que je vous demande encore, en plus, c'est de partager l'émission, de partager dans d'autres chaînes pour enfin permettre, voilà, donc, merci. Merci, merci d'être là, Django Benz, merci le bonjour. Bokoto, et puis, dans le deuxième volet, on va faire la mobilisation contre les concerts diaboliques de l'ambassadeur de France-Afrique, dénommé Fally Ipupa, pour la énième fois, Nakati à Paris, la Défense. Na i arena. Voilà, donc, on est ensemble comme d'hab, on est ensemble, il faut évoluer, il faut vraiment vite progresser dans cette histoire, il faut en finir. Voilà, donc, Boingela, mettez beaucoup de likes, c'est aussi important. Partager énormément au même moment, tant que vous avez au quota. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Oui. Roby Bolombo, Losako, merci d'être là. Merci d'être là. Et ne manquez pas de commenter si vous voulez commenter. Et ça nous aide aussi et ça m'aide aussi à développer certaines choses que je pourrais peut-être un peu oublier. C'est aussi une bonne chose. Voilà, donc, c'est grave tout ce qui se passe chez nous et que notre peuple, surtout Kinois, dans la Kinoiserie, n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à saisir. N'arrive plus jamais à saisir ce que nous sommes en train de leur dire, de leur demander de faire, parce qu'il est temps, l'heure est grave, nous risquons de perdre facilement notre terre. Olivier Ilunga, Losako, merci beaucoup. Bonjour à toi. Henri Bakole Ngongé, Losako, merci d'être là. Partagez en rentrant, vous pouvez partager, donc c'est très, très important. Voilà, les autres tours à la. Vraiment moulaï à mingité, tu es vraiment essentiel. Tu es vraiment Olivier Ilunga, oui, Paparon est toujours là. Paparon est toujours dans les combats. Tozali Nabango, Tozali Ko échanger, Tozali Ko bunda ensemble. Donc là, il n'y a pas de problème. John Boimbo, merci, bonjour et merci d'être là. Partagez les directs, s'il vous plaît, partagez. Partager, c'est tout ce qu'on vous demande de faire.
Ah, ok. Ah, ok. Henri, toi, tu voyages beaucoup, hein? Ok, bon, tu es devenu un homme d'affaires, c'est tout à fait normal. Voilà, donc, même si tu es là-bas au Cameroun, rien ne t'empêche de partager. Et que, bon, le retour, c'est le 12 novembre. Merci beaucoup. Voilà, Nibolangai, Nakunzi, Fumwasuka. Ah, le Sakonayo, le Sako, merci beaucoup. Partagez, s'il vous plaît. Voilà, Bandegonangaï, l'heure est grave, comme on dit toujours, moi et Bokichuayambo et Commandant Issou, l'heure est grave, l'heure a sonné, il est temps, il est temps, il est temps que le peuple congolais et surtout le peuple quinois de sortir de sa quinoiserie, de ses flatteries, d'applaudir, de continuer toujours à applaudir les gens qui leur tuent, les gens qui leur mènent la vie difficile. Donc, Banakin, Bobima, Bobima, parce que on est en train de vous mener en bateau, hein? Bazako Sabino, mais Bazako Sabino, Bozakondima. Bazako Sabino, Naba Tata, Naba Mama, Ba Mama, Pe Bakomi Kolanda, Naba Ba Wax, Namo Ba Maputa. Et il y a Pambala, moi, bah, 5 dollars, hein, 5 dollars, 10 dollars, Bozakozoa, Pobokaba, Moli Monabino, Bokaba, Mbokanabino, durant 5 ans encore, il y a Ophélie, Bopesabatouana, bah, politicien, Otobenga, bah, politicien véreux, cupide, des voyous de la politique, des idiots de la politique, Batoyo, Bazali insensés qui n'ont pas pitié de la population, de leur peuple. Bazako, Salamakambo, Balingi, pour leurs propres intérêts, et ça, Mawamingi, et ça, Mawamingi, pour Binobo, continuer à Kuzoka, Bama Puta, et métrage, et tout ça, Namoa, 5 dollars, au Kamati, au Kabi, Moulamitano, Mobimba, Nabatouana, pour pas continuer qu'au Yibambongo, pour pas continuer qu'au appauvrir Bino, pas continuer qu'au esclavagiser Bino. Donc, boutique à la bas esclave, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Oui, Henri Bakoli Gonge, tout à fait raison, vous avez tout à fait raison. Le 25 novembre, les rendez-vous est pris, les rendez-vous est pris. On sera là, on sera là. C'est mieux que tu puisses rentrer. Demain soir, déjà, c'est bon, parce que le 25 novembre, il faut en finir avec Farira Ipupa, qui ne veut pas écouter, qui ne veut rien entendre, parce que oui, il sait qu'il a un pacte avec ces gens-là. C'est lui l'ambassadeur de France-Afrique, côté culturel, côté musical, où il y a pour distraire le peuple congolais dans la diaspora. Il oublie tout simplement que nos jeunes ont pris la relève, c'est ça les dangers pour lui, mais ça, il l'ignore encore. On verra d'ici là, on verra avec tout ce qui se passe dans les coulisses. Nous sommes prêts en tout et pour tout. Voilà. Donc, Bandekolangaï, naïe les lotos solo la lissus mouke, solo la lissus mouke, Bandekolangaï. Pourquoi? Parce que c'est grave. Ce qui se passe, c'est grave. Binomoko, Bandegolangaï, Bozo vivre, puis Bozo comprendre, Bozo Mona Makamon, tous vos politiciens, enfin, Batua Congo, Bozo politiciens, mais nous on les appelle des politiciens. Voilà. Donc, Bandekonabino, Bino Bozo soi-disant, c'est quoi ces problèmes techniques? C'est quoi ces problèmes techniques? Je vois une image qui vient d'arriver là. Je sais pas. Je sais pas.
Je sais pas qui c'est qui va intervenir là. Voilà, donc c'est bon, c'est bon. Voilà, il y a eu quelqu'un qui voulait intervenir, donc ça n'a pas marché. Voilà. Donc, nous sommes en danger. Notre pays est en danger. Le pays n'est plus ce qu'il était avant. Au niveau, il y a cartographie. Cartographie, il y a Mbokanabiso, une partie de notre pays est déclarée coupée. Coupée pour l'intérêt, pour l'avantage des Rwandais. Que territoire d'Abiso Bakati Yango, na côté nord-est. Bamboka lokola ba Rutshuru ba Bunagana ba Kishisha ba Masisi ba kati yango nanko na ba Nilotique ya ba Tutsi Rwandais hein, ya M23 na EAC balobi parti wana msusu oyo bazui ya bamboka na tangeli bino ne fait plus partie de nos territoires. Donc voilà ba situation grave. De faire attention, on doit s'élever, il faudra à tout prix se révolter. Tout bengana banguna, tout ce qui est en collaboration avec Félix Tshilolo, Félix Tshibouabou, Félix Tshilombo, Félix Tshisekedi, parce que c'est le fils du vieux Étienne Tshisekedi. Voilà donc, Bango Batou, Kota na complicité contre le peuple, contre la RDC, contre les Zaïre. Il y a Kaba Mabele, Nabiso et Paye Rwandais, pour des miettes, pour de l'argent et tout ça. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. On l'a tout le temps dénoncé et continue de le faire. Bandikonangaï, c'est sérieux, Makambo Sabino. Lelo Oyo. Et commis réalité. Réalité, c'est-à-dire, que ma belle Nabiso, une partie, et c'est Katami, et commis, Barwande Balobi, Yabango. Mais Bissot, en tant que Zaïrois, Bissot, en tant que Zaïrois, notre pays continue à garder sa superficie totale. 2 300 000 45 000 km². Ça ne va pas bouger. Car le maréchal Mobutu l'avait déclaré, notre pays, les Zaïre, restera un et indivisible. Voilà. Malgré zigzag, complicité, plan machiavélique, à travers les Tutsis rwandais et les complices congolais, il y a la communauté internationale, dans tout, parce que c'est une terre riche, abondamment riche, naba minerai et de tout ce qui s'en suit. Donc, minerai, il y a ressources naturelles, il y a talo. Le maréchal Mobutu n'avait utilisé que quatre sortes de minerais. Le maréchal a utilisé sur les 140, les 140 genres de minerais. Ils ont appelé la biseau. Donc, il y a 136. Mais les Oyo, et comme il y a battu tout, le maréchal avait utilisé seulement le cuivre, le diamant, l'or. Et peut-être l'uranium des bilocoïa est exact. Mais tout est calé. Tout est calé. Yango, cobalt, manganèse,
bah comment bah coltan bah tout wana est commis pillé par Benjamin Abisso. Donc bah ndekonangai c'est grave toi bah tu m'as photo le baka tout le baka chaque fois koyebi sabino ko benga bino babujitu le sako babujitu et merci d'être là. Voilà donc Freddy Moulongo yamuke na Moulongo na leza le sako. Merci beaucoup. Na yebite soki yo muto zalaiko sala demande pour na okota na ma direct, mais avec ce téléphone, c'est nouveau donc je sais pas, j'ai pas je connais pas encore tout ce qu'il faut faire pour la, sa manipulation et tout ça. Donc voilà, il y a mon ngagité, nanito garder nan tout le banon makambo, ils ont dit très important l'émission. Et voilà, donc Manikolangaï, je suis venu vous dire, effectivement, évidemment, ces problèmes, je vais vous dire ça, mais non, parce que c'est grave parce que, non, on ne peut pas laisser notre peuple comme ça, on ne peut pas laisser notre peuple comme ça, il faut quand même que vous soyez saisis de tout ce qui se passe, parce on a remarqué que, les Congolais, surtout les Kinois de Kinshasa, n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe exactement. Alors c'est très dangereux. Manikonangai, ceux qui n'ont pas dit, ah ouais, ils apprennent à voir Sabino, Nalubarabino, depuis quand là, depuis tout le temps. Vous savez ce qui se passe dans notre pays. Nous avons un problème sérieux, tellement que tout le monde a mis ses yeux sur notre pays, notamment les Américains, les Anglais, les Français, les Belges, les Canadiens, les autres, tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut enrichir son pays par le par le par par en passant par les Congos. Tout le monde veut devenir puissant en passant par les Congos. Congo. Donc, qu'on le veuille ou pas, ils seront toujours nos ennemis. Balingakabi sauté. Balingakabi sauté. Bazakulingande ma belé na biso. Et comment la bango. Nenge bazwa ma belé États-Unis. Et comment y'a mindele. Américain. Nenge bazwa ma belé y'a Australie. Y'a Australie. Y'a qui batou mouinou. Et comment y'a mindele. Nenge bazwa ki ma belé y'a Nini. Y'a Alaska. Kuna na nord na ba Canada ya ka Indien et comment ya ba Mindele et c'est comme ça qu'ils agissent hein. C'est par violence donc la violence wana baza ko ya ba tali ke babi mais et loko ba sala ka moi retard ya ke ba zo pe ya biso mabele ba zo pe ya biso mabele ninga ba nga ba zo ya Afrique du Sud et voilà donc ba ninga ba zo ya biso mabele mais ba chakin ba isaki na moi retard parce que nous étions au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Donc le cœur de l'Afrique, c'est entre nous, les Noirs, entourés des pays noirs africains. Donc, il y a un moment donné, ils ont mis du temps, mais ils ont profité maintenant, depuis la mort de Mobutu, ils ont profité en nous ramenant quelqu'un, hein, qui était patriote aussi, mais il voulait. Et donc, c'est peut-être ça, la procédure. Donc, la façon dont il a procédé, ce n'était pas vraiment ça. Il fallait faire autre chose. Mais il est venu avec la FNL. Et comme il est venu avec la FNL, je parle de Laurent Désiré Kabila. Et voilà, la suite, c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ma histoire et réalité, vous voyez bien déjà. Alors, c'est ce qui fait que maintenant, comme ils sont déjà dedans, ils sont parmi nous, bah, côté la mission, ils ont effectué depuis longtemps, même à l'époque de Maréchal Mabout, bah, côté la mission Sikoyo, c'était une prise, oh, okay, bah, on n'a pas l'acheter. Alors, nous sommes décidés de leur faire lâcher cette prise-là, d'une manière ou d'une autre. Mais, à chaque fois que nous essayons d'appeler le peuple, à chaque fois que nous essayons de vous appeler, de vous mettre au courant des choses, pour que vous vous leviez, pour que
Vous vous battez, vous luttez pour chasser les occupants, mais vous avez que la bisouté. Et surtout, Kinshasa, c'est Kinshasa qui nous met le bâton dans les roues. Rachel Mukendi, merci maman, merci d'être là. Surtout les Quinois qui nous font mal à la tête, les Quinois avec Kobinabina, Koyemba, avec leur façon de vivre. Dans la flatterie, dans la manipulation, dans les mensonges, dans les djalélo. Voilà donc Ibilou. Mais nous ne serons jamais fatigués. Et surtout qu'il y a la relève maintenant. Il y a la relève. Voilà, donc je vais arriver là. Donc le bon problème, c'est quoi? Oui, c'est ça, Django Bez. Ils sont focalisés dans la danse. Toujours remuer les hanches. Remuer les hanches, chanter, applaudir les musiciens. Et ces mêmes musiciens, et le pasteur, les passe-temps, les pastos, tous ces gens-là, ce sont des idiots, des esclaves, des occupants. Tous les Rwandais, Matiabangouana, hein? On les engraisse avec des miettes, ça pour distraire le peuple, ma population quinoise. Voilà. Donc, Manikolangai, vive Bana Goma, Bana Est, Bana ya 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 Benimutembo, Nord Kivu, Sud Kivu, continuez toujours à vous battre. Bana on a Bundi ya trop, puis Bazako qu'on les battait, les autres ça n'a pas où Bawasalendo. Ils se battent au front. Nous n'avons plus d'armée, nous n'avons pas de police, nous n'avons rien du tout à cause de Félix Tshilolo. Mais au moins les Ouazalènes sont là en train de se battre. J'ai appris qu'ils ont récupéré Kinshasa. J'ai appris encore qu'ils ont récupéré notre village là, je ne sais pas, Rugungu ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais ils ont l'aide de personne. Faut regarder quel niveau de patriotisme ils ont en train de se battre, de vouloir protéger au moins une partie du territoire congolais. C'est des gens à féliciter. Mais qui ça, ils Bakinois, hein, Bakinois, des gens qui vivent dans la pollution, dans la poubelle. Et côté tellement. Bah gaz, bah solo, bah odeur, y a bah poubelle. Ils ont plus les cerveaux qu'il faut pour un être normal. Voilà les problèmes. À chaque fois, on les amène vers les élections. Je vous ai très bien dit, je vous ai toujours dit que les élections, c'est une clé de la serrure de l'occupant. De l'occupation, des occupants. Ils se servent de ça pour renouveler leur légitimité, pour renouveler leur mandat, pour renouveler et remettre toujours en place leurs esclaves, comme par exemple Félix Tshilolo, Félix Tshibouabouo. C'est leurs esclaves qu'on a mis là. Ils ont écarté Martin Fayulu, qui avait gagné les élections à un certain moment, en 2018, où tout peuple congolais avait décidé, quelles que soient les intempéries, de récupérer, si pas par la force, mais par ces élections de 2018, il fallait à tout prix récupérer les pouvoirs. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, le peuple n'a jamais eu de pouvoir. On n'est pas considéré. Peuple n'habite pas le pouvoir, tes pouvoirs, et ça m'a beaucoup. Il y a quelques individus. Mais individus en Guanani, ce sont des étrangers. Il y a les Américains, les Anglais, les Français, les machins, mais qui sont cachés derrière les Tutsi Rwandais. Parce que seuls les Tutsi Rwandais ne pouvaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire chez nous. Hein. Tout le bagarre, tout le tanga. Parce que Bango, ce sont des esclaves de leur commanditaire. Il y a un tout temps à Bango.
surtout qu'au Tanga Bangouté, un petit pays de rien du tout. Hein, comme une mouche. Nous, on est à plus de 100 millions d'habitants, vous rendez compte. Contre un pays d'environ 10 millions d'habitants. Le Rwanda, voire même, même avec, mélangé avec l'Ouganda et consorts Burundi. Ils sont rien, très minimes. Ils ne dépensent même pas, à eux trois, ils ne dépensent même pas 30 millions d'habitants. Mais nous, on est à plus de 100 millions. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, nous devons nous lamenter, pleurnicher au nom du Rwanda. Bon, bref, donc derrière les Rwanda, il y a la communauté internationale, il y a la mafia internationale. Voilà. Mais à un certain moment de la vie, Kelly, Liam Fouca, hein, et merci d'être là et bon après-midi à toi. Partagez, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est vraiment ce que nous vous demandons de faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il n'y a que ça à faire pour que tout le monde puisse avoir une idée de ce qu'on est en train de dire ici. Voilà donc, Banikonangai, trop c'est trop. On ne peut pas toujours citer Rwanda. Paul Kagame mourra un jour. Il va mourir. Félix Tshilolo mourra un jour. Il va mourir lui aussi. Hein? Il est redevenu la République a démocratisé du Congo. Et lorsqu'ils ont dit la République démocratique du Congo, c'était pour dire que fini la dictature, maintenant, on devait vivre la démocratie au vrai sens du mot, mais c'était de la foutaise. Nous avons une démocratie de façade. Une démocratie qui n'a rien à voir avec les autres démocraties du monde. C'était juste pour permettre à ces occupants de mettre en pratique leur stratégie de nous piller nos minéraux, de prendre le contrôle total de la République démocratisée du Congo. Et voilà, aujourd'hui, vous le viviez, nous le vivons, tous les minéraux stratégiques partent à l'étranger sans qu'il y ait des retours financiers dans notre économie. Donc, ils le prennent gratuitement. Bon, s'il y a peut-être un petit retour, mais c'est très minime et ça part dans les poches de leurs collaborateurs, donc les Congolais complices de l'occupation, comme le Félix Tshilolo, tous les politiciens sans exception, tous les politiciens congolais mélangés avec des Rwandais comme des Moïse Nyarugabu, des Rouberoua, des Jeannette Kanambe, des Zoé Kanambe, des Hippolyte Kanambe et tout le reste est là. Sans profiter au peuple congolais. Alors, ils ont le gâteau dans leur bouche. Pour lâcher en haut, ils ont facilité. Mais pour la relâcher en haut, c'est pour cela que nous demandons à vous, le peuple congolais, de se débarrasser de tous ces photos qui sont tout autour de nous. Au bazar, la carte, voilà, c'est ce que nous vous demandons. C'est inutile d'aller vers les élections. C'est inutile d'aller aux élections. Parce que les élections, depuis 2006 jusqu'à l'heure actuelle, nous, peuple Mokosi, nous ne pensons même pas qu'il y aura encore
vous alliez encore accepter d'aller aux élections cette fois-ci, vu ce qu'on a vécu en 2018 avec Martin Fayoum. Qui a gagné des élections? Qui a gagné effectivement les élections? Mais les occupants rwandais, rwando-ougandais, et leurs commanditaires ont décidé autrement. Mbappé, ça, on a complice de Bango, Félix Tshilolo, Félix Tshibwa, Obidombo Benga, Tshilombo. Et voilà maintenant, c'est tout ce. Donc, on revient toujours au point de départ. On revient toujours à la case du départ. On revient toujours au point initial. Ça ne peut pas continuer ainsi. Bah, Yibibiso en 2006, bah, Yibibiso en 2000, en 2011, bah, Yibibiso en 2018. Et encore, bah, Yibibiso en 2000, en 2023, bah, Dekonangaï. Hein? Mais finalement, Toza, bah, Zo, bah, Yandengenin. Yangwana, tu vois, bah, Frikenyo, so, bah, comme il finit, Abiso. Yangwana, tout le bibon. Maintenant, les Nazar, Yibibiso, maintenant, l'élection Yangwana. Bien que c'est tronqué d'avance. Bien qu'il y a une forte présence, il y a tricherie. Bien que c'est mis, et ça, là, il y a Bandekwa Félix. Parce que lui, il est en train d'organiser les élections pour ne pas le perdre. Mais, à l'allure où vont les choses, tellement qu'il a un bilan négatif, même pas zéro, en dessous de zéro. Mais même à ce qui à l'équité, même à l'équité. Voilà le qu'on a égoïsé, Sabino. Félix ne pourra jamais revenir. Félix doit partir. Félix, les lots, yo bandeko na ngai, hein? Vous avez la ngai, ah, Maman Mongala, il y a Brigitte Mongala, hein? Maman Déboulonné TV, Maman DJ Janet Mafumba, hein? Maman Béatrice Loco. Maman, Younis Bans, hein, ben, de Golangaï, Obuzakolanangaï, ben, maman Nangaï, Obuzakolanangaï, Rachel Mukendi, Tatiana Osango, Grace Toumba, Jimania TV, ben, Obuzakolanangaï, Awa, Boyebake, Félix, Yaye, Isosuka, Awa, dans le 20 décembre. Pourquoi dans le Biboy? La commanditaire Naba occupant rwandais. Plan à Bango, Bazo Sala. Est commis déjà bouclé. La boucle est bouclée. C'est-à-dire quoi? Bon, Monika, soi-disant opposition. Mais j'ai toujours dit qu'il n'y a jamais eu de l'opposition en RDC. Ma politicien, tout, c'est des gens corrompus. Ma politicien, bah, la catène, bon, la mission. C'est des corrompus. Ils ne vivent que pour leurs intérêts propres. Na mitu na bango tout ba yebi, nenge Félix Saloba. Mbokawana et Koufa. Bon, on sur Nengenin. Mais, kaka yé, on t'a le bac Nengenin. Mais, à Zongenisus, pour redemander encore un autre mandat. Pour vous dire que, bon, t'as là-bas politicien Wana, pour eux, l'essentiel, ce qui est plus important pour eux, c'est de continuer à voler, à piller, à voler, à piller. Toutes les richesses en Bokawana. Et tant que vous avez dit, c'est pour leurs intérêts propres et l'intérêt de leur famille. Ils s'en foutent complètement de nous. Ils s'en foutent complètement du peuple. Alors, seul le peuple doit se libérer. On ne libère jamais un peuple. Peuple, il faut aller raisonner, aller à une décision monumentale de se libérer avec. Avec tous ces gens-là, tous ces mafieux.
Parce que la mafia ne va pas s'arrêter en RDC aussi longtemps que nous-mêmes, le peuple, nous resterons ainsi sans vouloir réagir. Aguaya, Samatone, Aguaya, petit frère propre. Voilà donc, Bande Konangaï, l'élection, il y a où ça pour permettre Bango de façade hein, au niveau international. Quand il y a des élections, c'est pour cela que la communauté internationale se bat toujours, se prononce toujours. Ah, il faut qu'il y ait des élections en RDC. Ah, il faut qu'il y ait du calme. Il faut qu'il y ait le calme. Parce que Malinga Mobuluté, pour ceux qui Burkina Faso et consorts, ce sont eux les premiers perdants. On nous oblige d'aller vers les élections pour dire que le pays Wana est un pays démocratique. Nous ne sommes pas démocratiques. On est démocratique et non. C'est une façade. C'est une fausseté. Mensonge grossier. Il y a le coup y a le sacralité. Donc, Bango Bachap, l'élection du Bosso, pour y permettre Bango. Il va contrôler l'élément de Bango, il va contrôler Bango, wana na exemple, il va faire Chilolo. Donc, pour ne pas protéger Hippolyte Kanambe, Azali na Kati, cheval de Troie, Bango na Kati, Oyo, va contrôler Mboka, na Kati ya Mboka. Parce que cheval de Troie, M. Sidali, Paul Kroagame, il va contrôler Mboka, mais dans le voisinage, dans l'Ibanda ya Mboka. Donc, pour que Bazalakawana. Bayebi que ceux qui biso bawo to zimbo kawana toko bumwa bango ou bien toko bengana bango. Donc pour Bazalawana, ils doivent avoir des gens comme Félix Tshilolo. D'où ils se préparent à conséquence. Bazala qui sûreté na makamba élection. Bamoni ba omoko ke Félix azana bango bien sûr. Mais tellement que Félix n'a rien foutu du bon, n'a pas un cerveau qui fonctionne au niveau de contrôler la situation, au niveau de faire quelque chose pour notre peuple, pour notre pays, pour satisfaire notre peuple. Bah, Moni Angoké, Félix, ce n'est plus la peine de le garder. Donc il va partir. Le sac au Bossen-Zoari, merci beaucoup d'être là. Partagez le direct, s'il vous plaît. Bah, jugez bon de le faire partir. Mais pour le faire partir, il faut trouver encore un autre idiot, un autre imbécile, un autre mafieux, une autre personne méchant contre le peuple, contre notre peuple. Mais avec une apparence bon citoyen, ne faisant aucun mal, même avec une mouche. Donc, c'est ça, au moni, opposant à Bissot, soi-disant, parce que ce ne sont pas des opposants, Katumbi, délice Sanga. Et comment Moussous Nani Nani docteur Mukwege bien que patriote docteur Mukwege bien que patriote mais aller en Afrique du Sud pour chercher à faire sortir un seul candidat bien que patriote. S'il y a deux, trois qui sont d'accord contre son avis, il ne pourra rien. Il ne pourra rien. Bien que patriote, il ne pourra rien. Donc aujourd'hui, je suis venu vous dire que tous ces soi-disant opposants qui sont partis en Afrique du Sud, ils ont fini par sortir quelqu'un. Si je ne me trompe pas, c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi. Or, Moïse Katumbi n'est pas vraiment des nôtres.
Ça, je le dis clairement. Moïse Katumbi, il représente les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et de leurs commanditaires. Voyez, bah, les lots. Vous pouvez s'en raison. Mais bon, tout, non? Bah, pour Moïse Katumbi, comme candidat unique de soi-disant l'opposition. Mais, banane bapouni, ils ont directive, ils ont le Rwanda, ils ont le Ouganda, ils ont le commanditaire. Peut-être ce qui, mais, bapounorata, nani, le docteur Mukwege, étant donné que il a un sens de patriotisme, ça pouvait changer quelque chose plus tard. Mais je crois que eux aussi, ils ont remarqué que docteur Mukwege, avec docteur Mukwege, il y a risque de voir que bah, un terrain là-bas, ils allaient menacer plus tard, comme Martin Fayoul. Voilà, donc, Bandi Kourangaï, tant que vous avez mis ça, Moïse Katumbi, Bakamoutou, Banaïko, Salamawana, Félix, Azo mettre ma bâton dans les roues, Katumbi, tout ça, c'était. Et ça qui est le mot fantaisiste. Bango, tout, on a basé dans les coups. Alors, le peuple congolais, tout ça, Sabino, à qui nous, c'est tout. À quoi bon d'aller voter? À quoi bon d'attendre quelque chose d'une opposition qui n'existait pas? Parce que c'est une opposition de menteurs, une opposition de cupides, une opposition de flatteurs, une opposition Oyo, Bazaliwana, pour leurs intérêts propres. Ils s'en foutent complètement de nous, le peuple. À quoi bon attendre Mabatou Yandengewana au lieu de sortir dans la rue, de faire comme le Mali, le Burkina Faso, les Niger et consorts. Pourquoi ne pas sortir pour une grande révolte populaire, suivant votre article 64 de la Constitution? Isa Mawamingi, Maning, tout ça, ça c'est une façon que nous autres nous sommes en train de voir les choses. Et c'est vrai, tout ce qu'on vous dit, on vous répète la même chose. Et ça se passe exactement comme on vous le dit. Yangwana, des gens qui vous apportent chez vous la violence, il faut leur répondre par la violence. Nous devons répondre par la violence. Point. Très. Et il faut se mettre debout comme un seul homme. Utilisons la violence pour chasser ces gens-là. Bamindele, Bayo Kakawa pour la violence. D'ailleurs, le 25 novembre, c'est pour faire violence. Tozo qui n'était pour tout qui ne vous séca. Et à chaque fois qu'on le fait, vous voyez déjà, autre salaire de 2020, ça, on rentre directement dans le deuxième volet de l'émission. N'est-ce pas que nous avons 2018, non, 2020, pardon, février 2020, contre Fally, là, il ne peut pas. Le même Fally, vous vous rendez compte, si la France était sérieuse, si Macron, il était sérieux, quelqu'un qui est venu mettre le feu dans votre maison, vous allez encore le recevoir pour la deuxième fois, qui vous ramène encore une fois de plus le feu dans votre maison. Vous voyez qu'il y a duplicité, il y a complicité, il y a quelque chose dedans qui fait qui puisse encore les autorités françaises puissent encore accepter Farira et Poupa de venir foutre le feu dans leur ville. Vous vous rendez compte? Mais s'il faut mettre le feu,
Nous allons le faire. Togoya, le 25 au Togoya. Hein? La Fantomas, la Fantôme, nous vous appelons nombreux. Boté taba clavier nabino. Maintenant, Toko quitte la terre, c'est samedi. Parce que Batoyo, c'est ok, n'a pas mon boité. Moi, il va lâcher prise. Parce que la France, conclusion, la France est complice avec le Rwanda. Macron est complice de Paul Kagame, Hitler d'Afrique. Il y a Moni, même il y a secrétariat, il y a francophonie. Il y a beaucoup de francophones comme nous autres. Un grand pays francophone d'Afrique. Mais il y a un anglophone. Mouchikiwa, Ouazalaga, ancien ministre, il y a fait étrangère, il y a Paul Kagame à Rwanda. Nelo Yemtaza, secrétaire d'État, il y a francophonie. Vous vous rendez compte? Donc, il y a complicité, la duplicité, la manigance, il y a un peu de le Oyo, Babuto la Bissou, Babunagana, Baruchuru, Bakishasha, Kiwanda, Bamasisi, et voire même Parc de Virunga. Il y a un moni, Barouande, Bakomako, Kosumba, Nanguba, sponsor, il y a équipe locale, Paris Saint-Germain, équipe Angleterre, comment ça s'appelle encore? Dites-le moi si vous vous rappelez de ça. Équipe mon Angleterre. Bangotou, Bakoumana Maboko Yarwanda, sponsorisé par Paul Kagame. Pourquoi? Parce que ma rentrée financière, il y a un pacte de Pac de Virunga. Et comment il y a Barwandé? Pacte de Virunga, comment il y a Barwandé? À combien de fois? Qu'est-ce qu'on va, on va pas faire pour dire la vérité? Agoya Samantone, voilà. Petit frère propre Moutou Bilamba, malgré ça, Moutou est à Rossar et Salaga, Chelsea. Voilà. Donc, équipe, voilà, Chelsea. Bon, ben, on a Tabafarez, sponsorisé derrière. Visite Rwanda. Rwanda, va dire, l'eau, nini, ou, bah, que nous, t'allez pas là-bas. Bah, thé, café. Donc, vous voyez, bah, tout va comment pour nous, que nous, t'allez pas gorille, n'a pas pack de Virumba. Bah, quand ma porte tout ya Congo, la porte aujourd'hui on a, il y a un aéroport international la Minembwe, vous le savez seulement la Minembwe dans notre pays enclavé économie y a tout sur Rwanda. Donc monitoyez ça combien de fois et vous verrez Farira il peut pas parce que Bissot nous on n'a rien à voir avec les musiciens. Bisous tout vivant là-bas musique. Agoya Samatone et Azalia. Bisous tout colli là-bas Paris ou na tout colli ensemble là-bas papa même là-bas vivre la musique. Tout colli ensemble là-bas Paris ou là-bas Zaïko, là-bas Pire, Bakuba, ni là-bas Nagoya Canada. Les années 80. Tout ça va être ma musique. Mais à un certain moment de la vie, quand il faut dire stop, quand il faut dire non, il faut dire non. Pourquoi voulez-vous venir tout le temps nous distraire? Nous ne voulons pas de distraire. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de distraction. Nous devons être focalisés vers tout ce qui se passe chez nous. Et malgré que Bazako Boto la Bissot, Bamboko la Bissot, et Félix continue à danser, à faire des fêtes, avec son régime, Tolo Baté, Bazotin Nabino, Bopé Bozakoya, et pourtant Alpha Brondi, Bazolo Bellabissot, Alpha Brondi Babundi Lamboko la Bango, Miriam Maké Babundi Lamboko la Bango, et Banani, Babon Malay Babundi Lamboko la Bango, Nabano Yembo, hein? Bino Bolingo sale loko mokote. Vous êtes apolitique. En étant apolitique, mais on vous voit avec les Macron à Bandal, on vous voit avec prendre des photos en ricanant
en se moquant du peuple, prendre des photos avec les Mushikiwabo, avec les Paul Croix Gamet, hein, ainsi de suite. Et dans l'entretemps, vous signez des contrats politiques avec les PPRD, l'exemple de Kofi, en signant des contrats politiques avec les Batulukwebo, hein. Banani, Batulukwebo, Bawerera, co-signer un contrat politique, un parti politique, mais vous continuez toujours à dire que vous êtes apolitique. Vous prenez qui pour, comme quoi, comme qui des imbéciles? Vous voulez prendre comme qui des imbéciles ou des idiots? Pour n'avoir le baladus que vous avez fait apolitique. Voilà. Donc, moi, j'applaudis quelqu'un comme Maître Gims qui a dit clairement qu'il ne peut pas. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, sinon il va être considéré comme les autres, et comme étant des parlementaires, des députés. Nos musiciens agissent comme des députés. Aujourd'hui, ils sont des ambassadeurs, des ambassadeurs pour nous distraire, pour venir nous distraire ici dans la diaspora, avec des conneries. Et voilà, ben, le monde n'est plus ce qu'il était avant. La diaspora, ici dans la diaspora, tous les pays commencent à changer sur le plan politique. Il y a des décisions qui tombent. Et moi, je trouve que c'est de bonnes décisions. C'est quel pied vous allez continuer à danser, venir enceinte les jeunes filles ici. Rendre grosses des jeunes filles ici pour avoir des papiers. Cette histoire-là est finie. Est finie. Donc, Banigonangaï, voilà en quelques mots tout ce que j'aurais voulu vous dire aujourd'hui. En tout cas, vous tombez sans message. Mais dites à Fally Ipupa. Tout va s'arrêter là-bas. Tout va s'arrêter avant. Son concert de U-Arena. Je ne pense pas qu'il osera mettre les pieds ici en Belgique. Parce que tout aussi, tout ma solo, tout aussi, ça on a eu Kuna. Tout aussi, ça on Kuna. S'il veut jouer, faire ses conneries, de jouer sa musique, il n'a qu'à retourner chez eux là-bas, à Kinshasa, la République de Kinshasa, ils ont la liberté d'agir comme ils veulent, de faire comme ils veulent. Mais ici, en Europe, dans la diaspora, c'est nous. La diaspora, c'est nous. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais tout ce que j'aurais voulu vous dire, vous parler, vous enseigner, vous décortiquer, c'était sur ces deux points essentiels. Il n'y a que, mais l'élection, c'est inutile d'y aller parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, vous allez produire le même effet qu'en 2006, qu'en 2011, qu'en